Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Labellisia. Un plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale dans le pays Italie, c'est coup d'envoi sommet G7 là qui réunit 7 plus gros économies mondiales avec Pape François et président ukrainien Volodymyr Zelensky qui trouvait yo parmi invités spéciales dans l'événement ça. Toujours dans l'international, l'ancien président républicain Donald Trump paraît jeudi à Capitol Hill, qui est donc dans le Congrès américain pour première fois depuis l'insurrection 6 janvier 2021. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, réaction continue à tomber après l'installation du Premier ministre Gary Conille avec membre nouveau cabinet ministériel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On leur fait encore merci d'être choisi VOA Créole pour et informer. Aujourd'hui, c'est jeudi 13 juin 2024. Actualité à peine nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté depuis hier pour arriver jeudi 13 juin. Eh bien, c'est installation pour le ministre Gary Conille avec l'autre membre cabinet ministériel. Il y a un cabinet qui gagne. Que 14 ministres, 10 garçons, 8 filles pour 18 ministères. C'était occasion tout pour Premier ministre Gary Conille pour un engagement devant peuple là pendant que président, conseil et présidentiel transition Edgar Leblanc rappelait gouvernement responsabilité devant crise haïtienne. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Donc c'était Yon après l'autre Premier ministre Gary Conille et président conseil présidentiel transition monsieur Edgar Leblanc et fils. Pendant il a parlé de insécurité, de gang, et ben gagne en pile réaction sous nouveau et développement politique ça. Gagne un leader haïtien parlant de et professeur Camille Chalmers qui demandait pour peuple à lever camper pour forcer autorité, une nouvelle autorité au résoudre problème gangstérisation en Haïti. Un reportage Ronan Toussaint depuis Professeur Camille Chalmers, cap dirigé structure politique Racine Campé Plan ak organisation plateforme haïtienne plaidoyer pour yon développement alternatif PAPDA, dit nouvelle autorité qui à peine prend tête pays, hein, PAP résout problème gangsterisation si peuple haïtien pas levé campé. La population doit être extrêmement mobilisée, extrêmement vigilant par rapport à la décision que c'est peut-être fait pour que nous assurer nous que nous rentrons vraiment dans un sentier de sortie de crise, de dégangstérisation et de récupération de la souveraineté nationale. Et ça pas fait, ça que la population pas mobilisée. Professeur Camille Chalmers parlait de plusieurs dizaines de kilomètres de zones côtières et frontières paysans que l'État haïtien pas contrôlé. Pas oublier que nous avons 1770 kilomètres de côte, nous avons 392 kilomètres de frontières et nous avons 1770 kilomètres de côte qui laissaient à l'abandon total. Donc, on peut contrôler qui s'est capable d'entrer, qui s'est capable de sortir. Et pour maintenir cette situation, plus paysans désorganisés, plus paysans chaotiques, c'est une situation qui, justement, facilite, n'est-ce pas, tout crime organisé, que ce soit à travers le commerce de la drogue, que ce soit à travers le commerce des armes, ou bien le commerce des personnes, le commerce d'organes, toute tragédie, ça, que nous vivons, est liée à phénomène ça. Et c'est pour ça que toute perspective de sortie de crise doit prendre en compte ça que Haïti représentait historiquement, prend en compte les contraintes liées à notre positionnement géographique
et dans le combat géopolitique. Et nous devons mettre en place un projet de souveraineté, un projet de récupération de la souveraineté qui est fondamental pour nous capables de sortir dans la dynamique de crise répétée, de crise à répétition et de crise qui, je dis, a fini avec pays. En tout cas, nouveau premier ministre haïtien, Garry Conille, dit la peur doit retourner car gang améo. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, Ouena. En parlant de gangsterisation, dans l'occasion 27e anniversaire police nationale, là, hier mercredi 12 juin, DGPNH, la France LB, lui promet pour bailler une réponse institutionnelle par rapport à Zach assassinat et fait sous trois policiers dimanche qui sont passés là. Yves Manuel. La mort tragique, trois policiers, unité tactique anti-gang, dans embuscade dans Delma 18, poussé au état-major police nationale, là, annuler festivité qui devait marquer 29e anniversaire institution. Directeur général police nationale d'Haïti, France LB, était accompagné de l'autre pomme dans au commandement, profiter déposer une jeb fleur dans l'académie pour honorer mémoire tout policier qui disparaît face à dernière pour bourré côté gang Améo, si main deuil dans institution la police nan, France LB dans une vidéo préenregistrée pour mettre pour bailler une réponse institutionnelle dans respect la loi. 9 juin, pas 12 mars. La police a bailler une réponse institutionnelle à Zach Sa. Et il n'en risque la loi. C'est une vieille croix, chef police nationale d'Haïti, institution Pafaya Michel, qui s'est protégé population. Nous n'avons jamais faibli devant la grosse responsabilité que nous gagnons pour nous protéger la population. Nous n'avons jamais dans la bataille nous menée pour la paix, la sécurité et la tranquillité dans le pays. J'en ai besoin de la pays à Mandel. J'en ai règlement institution police là, Mandel. Police nationale a célébré anniversaire dans le moment côté institution a fait face à un pile de défis. Bandits, crasés et puis pillés plusieurs installations. La police, ils ont mis des feux là-dedans tout. Ils ont passé suspensif mais deuil dans mi-temps institution. N'a pas souligné plusieurs centaines de manifestants qui prennent la rue dans Port-au-Prince mercredi qui mourit dans une condition tragique dimanche qui s'est passé là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Et dans l'actualité internationale, le gros point qui domine, c'est définitivement G7 là qui a déroulé dans le pays Italie. Restez branchés. Ou toujours sous VOA Creole, ou à suivre un programme dans langue créole haïtien, tant qu'on a annoncé, eh ben, je vous dis, à ces coups d'envoi G7 là, il y a un gros événement qui réunit plus gros économie mondiale, dans le moment où il y a deux guerres qui ont saccagé le monde, en parlant de Israël, Hamas, et puis invasion, la Russie. Et Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près. Jean-Robert Philippe est pratiquement conférence de presse conjointe qui s'est faite entre président Joe Biden avec président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est pratiquement une grosse activité dans ce sommet, Jean-Robert. Effectivement, c'est un grand point qui marque la journée en même. Et c'est un message pour que nous voyons par le président Ruslan et Vladimir Poutine qui nous a bloqué nos guerres avec l'Ukraine. En tout cas, et l'idée est de prendre une grosse décision tout dans la même journée en tout. Et mais l'ESA est d'accord pour prêter l'Ukraine 50 milliards de dollars que les États-Unis ont fait des marches pour lui et bien prêter de l'argent ça. Et l'argent ça, l'absorption intérêt que 300 milliards de dollars que la Russie qui gère ce continent européen. Son victoire au président Joe Biden, malgré quelques pays européens qui ont hésité sous Brea, mais de façon déclaration finale, là, sorti exactement et dans fin sommet, non déclaration qui a été faite sous et modalité, mais en principe, et président Biden paraît peut-être monde qui est plus content pour le journée, ni lui-même, ni président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a besoin d'agence là pour continuer la bataille avec la Russie. Sommet G7, pays qui pire sur la planète là, démarré dans ville Borgo et Ignazia, dans la région Puglia, dans l'Italie. Italie invité Pape François, roi jordanien, leader ukrainien, Inde, Brésil, Argentine, Turquie, Émirats Arabes Unis, Kenya, Algérie, Tunisie avec Mauritanie, qui c'est actuel président Union Européenne.
Premier ministre italien Giorgia Meloni déclaré. Il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole. Message du G7 là, voulez-vous y c'est montrer volonté pour renforcer le dialogue avec pays sud en général. Nous faisons à cause de ça, historiquement, c'est lien entre l'Ouest et l'Est. On dit que c'est un dialogue dans la mer Méditerranée, dans la mer qui connectait deux grands espaces maritimes sur la planète là. Atlantique là sur un côté et puis Indo-Pacifique là sur l'autre bois. Président Biden ensemble avec leader G7 a concentré sur la guerre en Moyen-Orient et Ukraine, migration, infrastructure globale avec intelligence artificielle à continent africain. Président Biden revient dans le sommet avec espoir, l'a convaincu groupe là pour prêter Ukraine 50 milliards de dollars qui soutient un intérêt 300 milliards de dollars bien la Russie possédée et qui gèle sur le continent européen. Président Biden supporte le thème important premier ministre italien Giorgia Meloni qui dit l'a investi en Afrique, développement international avec changement climatique. Thème ça a été fait partie ouverture première session jeudi 13 juin avant discussion sous guerre en Ukraine avec notre territoire Gaza. Président Volodymyr Zelensky, bon départ, c'est celle leader qui pas membre groupe G7 là, qui présent dans la cérémonie ouverture et qui parlait de conflit entre pays avec la Russie. Président Zelensky, si on voit à quoi à long terme sur sécurité avec président Joe Biden. Président Zelensky, il a fait une chita parler avec premier ministre italien, Giorgia Meloni, premier ministre britannique là, Rishi Sunak, et président français Emmanuel Macron. Côté sécurité, il y a 5000 policiers qui mobilisés pour garantir sécurité leader G7 avec invité spécial. Beh, certamente un grande onore. Viviamo un isolamento dorato. Mauricio Lupo, un résident dans la ville, a déclaré, bien sûr, c'est un gros honneur. Nous vivons dans une isolation en or. Nous pas capable de bouger. Mais il vaut la peine, à cause toute ville là impliquée dans l'événement. Et certainement, nous avons profité de lui. Nous faisons sacrifice là, à cause nous fermons là. Nous pas capable de faire une série de bagailles, mais il est acceptable. Paysage là, situation, tranquillité, toute bagaille ça y est, pas un prix. Deuxième journée sommaire a déroulé sur immigration, situation Indo-Pacifique là, sécurité économique. Pape François Paldi et Chichita parlé sur intelligence artificielle. Didéo a bien poussé une déclaration finale dans fin sommaire. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'est un gros événement qui a déroulé Konya dans le pays Italie, c'est sommet G7 là qui réunit 7 plus grandes économies mondiales avec un paquet enjeux et symboles dans événement ça. Actualité ici aux États-Unis, ancien président Donald Trump est trouvé aujourd'hui dans Capitole là pour parler de stratégie électorale parti républicain qui voulait reprendre la Maison Blanche et créer pour gagner plus membres encore dans le Congrès. Gentil Augustin Junior, tu es dans le Congrès pour nous. Et puis après partisan ancien président républicain Donald Trump, t'es saccagé Capitole là 6 janvier 2021, c'est pour première fois ancien président Donald Trump retourné dans Capitole Hill là. Côté il t'a pral rencontrer ak député républicain yo nan matin et sénateur républicain yo nan après-midi pour discuter sous message campagne li avec stratégie législative pour l'année 2025. Là. Donald Trump a fait un retour triomphal dans le Capitole jeudi 13 juin 2024. Là. Législateur républicain joue une force et dynamise tentative pour reprendre la Maison Blanche. Richardson Hudson, président du Comité national républicain Congrès, a dit pendant point de presse là, ensemble avec président Trump, nous pral augmenter la majorité ça dans la Chambre. Là. Et puis ensuite, ensemble, nous pral nettoyer des ordres que Joe Biden a créé. D'après un républicain dans réunion porte fermée, Trump te dit, il pensait que président chambre député Mike Johnson a fait un travail formidable et dans point de presse là, Mike Johnson te dit, we believe we are going to win back the White House. Nous croyons que nous allons retourner dans la Maison Blanche avec le Sénat et puis augmenter majorité dans la chambre. Nous pas pral gaspiller un moment comme ça. Nous pral travail sur un programme très agressif pour adresser tout gros problème pays nous a faire face dans moment ça. Nous te parlé un petit crasse sous ça jodi avec président Trump. Steve Scalise,
Républicain, Louisiane, leader majorité chambre représentant États-Unis, dit député républicain yo, a travaillé avec ancien président pour faire le réélu novembre cap vini là. Président Trump te parlé sous ça nous ka fait ensemble à Congrès républicain pour résoudre problème ça yo en janvier. Mais toute bagarre a commencé 5 novembre. Et puis nous extrêmement unis dans travail avec président Trump pour faire le réélu pour nous ka travailler avec lui pour résoudre problème grave ça yo pays nous a fait face. Président Trump bon côté parle, te remercie législateur yo pour invitation ça et di yo que yo gen yon bagay en commun qui se fait États-Unis grand encore. I want to thank everybody here. Moi vle remercie tout moun ici là. Nous tout te eli. Au soir ou pral eli encore. Et moi avec nous chaque et nous connaît m'a toujours avec nous. Et merci en pile parce qu'on invité. Et puis nous pral gen en pile succès. Moi pense que nous pral gen yon élection formidable. 5 novembre très important. Mais nous vraiment commencé en pile pi bonnet passé ça. Li te continue pour dire one thing in common we want to make. Yon bagay en commun nous voulons faire Amérique grand encore. Nous voulons faire pays nous grand encore. Nous c'est une nation cap décliné. Nous c'est une nation qui rete d'ailleurs dans tout monde là. Nous gagnon leader qui rete d'ailleurs dans tout monde là. Et puis nous pral virer. Nous pral virer li vite. Biro vote semble très fort pour nous. N'a pas rappelé ancien président républicain Donald Trump te joué une nomination parti républicain pour aller représenter dans l'élection novembre qui vient là en face représentant démocrate là Joe Biden pour qui est-ce qui va mener back États-Unis pour une deuxième fois. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Donc c'est pratiquement une guerre à distance et côté que dans Congrès américain ben gen ancien président Donald Trump lui-même qui vini avec stratégie que l'a mette en place avec républicain qui dans Congrès pendant que président Joe Biden lui-même il trouvait l'enjeu cette là en Italie côté pour le répéter ça le dit dans pays la France là pour dire que Donald Trump c'est un mauvais signe pour démocratie non seulement pour les États-Unis mais pour le monde, donc yon situation que n'a pas pour, surtout 2024, là, son année électorale, ici aux États-Unis. Nous parlons en Floride, côté plusieurs zones et inondées après gros la pluie qui a tombé depuis hier mercredi. Divers habitants dans Kayo qui prennent de l'eau et puis chauffeurs qui gagnent machine qui endommagent autorités dans certaines villes décrété état d'urgence pour plusieurs régions. Luxon Saint-Ville, t'as loué pour nous. Sen sa n'a pas gardé à la, li vraiment même gens. Dans plusieurs autres rues dans notre Miami là, nous entre 155 et 156e street, quand des grand pile machine là qui a passé et vini pour yo wè si yo capable traverser. Scène ça li là depuis hier, côté grand pile de l'eau qui envahit des zones particulièrement dans notre Miami, grand pile machine qui mouri dans de l'eau, des monde qui endommagé, qui des machine endommagé, des monde tout qui gagne en dedans caillou qui prend en pile l'eau. Eh bien ça passe là. Matin, je suis sorti là. Avec bout de pantalon, je suis sorti. Ah bon? Mais je me suis déplacé, quitter la caille. Pour mal travailler. Alors, je ne sais pas si ils font abaisser là devant la déjà. Mais il est vraiment haut. Oui. Côté de l'eau, il est bas. Bon, genou. Waouh! Et quand il y a la côte, il y a la côte sorti. Je suis sorti avant, je suis la caille. Je quitte la machine, je ne suis pas sur la velle. La première fois que je vis au Dorari, je suis ici longtemps, non, mais ici depuis le 30 janvier. Ok. Et moi, puis on a de l'eau là, ça c'est pourquoi je suis sorti. Je suis sorti, mais quand je suis devant là, je ne voulais pas me faire tout le parcours. Okay. Et puis, d'après aller, je suis passé par l'autre bord. Je suis retourné, je me dis que je suis arrivé, je me suis retiré, je me suis retiré. Oui. Je me suis retiré. Ok. Je m'arrête tellement loin, non, mais je suis arrivé. La caille ne va pas prendre l'eau. La caille ne va pas prendre l'eau. Il prend de l'eau, il prend de l'eau pas derrière, dans la cour, et puis il lève le matin, pas de l'eau. Bon, moi, quand il est là, ça machine là. Je ne sais pas si c'est Torini. Pour ça, c'est Torini. Oui, obligé de l'aide de l'eau pour. On va créer dans la rue, ni dans de l'eau. Obligé de territoire. Qui va s'arriver? Non, 146. 14e avenue. Moi, pour manœuvre là, ça qui passe où? Ou peut rentrer bien? Non, de l'eau à 3, je vais prendre chance à l'entrée là-dedans parce que depuis, je ne suis pas sorti, mais moi, ça, son bagage. Ça, son
son paquet mess on the street of Miami. Okay? No, this is the first time. I've been living here for so long, but this is the first time. Jean capable constater le pied nous dans de l'eau, c'est même gens, gien pile citoyen dans notre Miami qui gien pied yo dans de l'eau. À cause de la pluie ça cap tomber, gien airport qui était obligé font ti retarder dans vol yo. Gien plusieurs cities tant kou fol dedel Miami qui obligé décréter état d'urgence. Gouverneur état Floride là décréter état d'urgence dans certaines régions. Ici à Miami, USCIS t'est obligé fermer bureau que li gien. Yon mauvais temps qui affecté Sud Floride là, côté jusqu'à présent, gen moun kap constaté gen de l'eau dans la caillou. Depuis Miami, l'état Floride, Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville. Donc son l'applicable bay problème dans Sud état Floride, côté que nous gen plusieurs et moun et même des compatriotes haïtiens yo même kap débouyer yo, et ben ça qui gen machine kap obligé déplacer machine, moun qui obligé mettre pied au nan de l'eau, donc son inondation qui en général bay problème dans état Floride. Ou toujours sous VOA Creole ou ap suivi un programme dans langue créole haïtienne, nous connaît jodi assez jeudi et en général les jeudis nous gen rendez-vous avec Cause et Forme. Et il y a un sujet qui est très important et qui est intéressant tout, c'est mesdames qui travaillent dans Hollywood comme cascadeurs, demandent plus égalité entre eux-mêmes avec monsieur. Sandra Lemaire, gain détail dans Cause et Femme. All right, ladies, let's go! Pour cascadeurs femmes, Hollywood n'a pas un bon dossier du tout, surtout par rapport à ça qui conduit machine dans le film. Ça la cause un groupe mesdames formé association chauffeur Famio qui c'est premier groupe cascadeur dans l'histoire qui fait spécialement pour chauffeur professionnel Famio. Olivia Summers t'est venu idée pour créer organisation ça. Elle travaille comme cascadeuse dans le cinéma depuis 20 ans. Ou ka wè non li nan film populaire tan kou Bridesmaids avec The Flight Attendant. Même mamzelle t'est bien déçue que ses chauffeurs garçons yo que yo kon employé en pile fois pour prendre pause femme yo dans plusieurs films. Li songe ou mauvaise expérience comme ça que li raconte nous. When I came out of a not so great production meeting about a commercial when the producer said, "Oh, I didn't know there were female drivers. We just put a guy in a wig." Et des associations ont été créées après une rencontre production qui parle bon du tout comme t'es gagné à coup producteur qui t'a tourné en réclame. Le monde s'est dit oh moins pas de qu'on est quelque chauffeur femme. Nous t'es enique mettez en perruque sous tête ou nègre. Ça t'est frustré mon pile parce que qui j'en ai que ça pas de qu'on est. Ou bien est-ce que c'est menti là bon moins. Papa m'a fait mourir. Donc, moi, t'ai monté volant machine, moi, et puis m'a dit, papi, t'en prie, aidez-moi. M'a pas contre ça pour me faire. Parce que papa m'a un gros fanatique, tout ça m'a fait. Et là, moi, passé clé machine, hein, et puis moi, attendais une voix qui dit, créez une équipe chauffeur cascadeur femme. Parce que toute l'autre équipe, yo, c'est garçon qui dominait, yo. Vraiment vrai, c'est pas fille seulement qui fait face à ce problème ça. Qu'il y a une tactique qui relève paint down tout. Côté, il y a une peine figure ou bien corps ou cascadeur noir ou bien marron si y a doublé un acteur qui pas blanc. My partner who's unfortunately not here today, my business partner, Lydie partner moi qui malheureusement pas là aujourd'hui, Dee Bryant, c'est une plus bonne cascadeuse dans l'industrie, l'icône noire américaine. Elle fait face à paint downs yo tout le temps. Garçons représentaient 3 cas cascadeurs. Mesdames représentaient 1 cas d'après syndicat acteurs cinéma, SAG-AFTRA. Malgré syndicat, il y a une règle qui dit fort production chercher chauffeur femme à cascadeuse pour rôle féminin et puis vice versa. Coordonnateur cascadeur qui a esquivé règle ça si il dit il était cherché tout côté et il n'a pas de joindre aucune femme. D'après règlement SAG AFTRA, il faut coordonnateur cascadeur consulter syndicat si il n'a pas de joindre un cascadeur qui correspond à quoi là, mais il ira pour faire ça. Summers fait qu'on est. Naoki Kobayashi, c'est PDG Drift 101. It has to change. I think
Il dit fort que ça a changé. M'kwè, nous besoin respecter moun. Et puis, ouais, tout moun égal égo. Et puis, sélection doit baser sur talent, yo. Pas parce que yo gen expérience. Faut que nous ouvrions porte là. Industrie a commencé à souffrir à cause de ça. Et faut que yo joue une nouvelle façon pour aborder industrie, moun, performer yo, tout ça en général. Formation pour travail comme cascadeur coûte cher, tout d'après Summers. Il dit faut que moun kap travaille dans l'industrie rete en forme et puis faut que yo perfectionne talent yo en tant que chauffeur. Summers dit qu'il a dépensé $18,000 première année de travail li, comme chauffeur. Il explique raison qui fait ça, c'est parce que caoutchouc kon pété, moteur kon gen problème, faut que range tout ça. Inégalité entre garçons yo ak fille yo kon affecté salaire yo tout d'après cascadeuse Ashley Tate. What's called an adjustment which is based on the difficulty of the stunt. Lidio banou sacré léon ajustement qui basé sur difficulté cascade là talent combien fois ou obligé faire et moi kon moi garçon yo recevoir yon pigo ajustement passé mesdames yo pour même performance là. Après ça, contrat nous tête coupée, Yuna Claude. Tave dit les profiter performance li pour éliminer frustration qu'on gagne. But it just motivates you to work harder, train more and get your name out there so people know. Il dit ça motive au pour travailler plus dur, entraîner plus, faire monde connaît, faire monde connaît réputation, que au bon, au compte ça va faire et que au disponible pour travail. Pour Cause et Femmes, moi c'est Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Donc, c'est une question qui revient sous tapis, encore question et traitement qui j'en pour traiter mesdames, tant que monsieur, yo, et li paraît dans le football, li paraît dans question et l'autre discipline sportive encore, mais li est un sujet qui toujours dans l'actualité. Et merci Sandra, dans Cause et Femmes qui t'a abordé, ça a relé égalité et deux gens. Nous presque arrivé dans ces dernières lignes droite programme non. Nous voulons dire merci d'être toujours branché sous VOA Créole et nous allons parler de sport. Nous allons parler de sport parce que eh ben c'est yon un gros événement et qui gagne événement sportif non seulement et t'es gagne tennis qui t'a frappé sérieusement mais qu'on y a gagne deux championnats que haïtiens remet en pile. C'est Coupe d'Europe des Nations avec Copa América. Et yo gagne yon importance spéciale tout simplement parce que eh ben ça permet que yo ouais de grands joueurs qui t'a évolué dans club yo dans plusieurs championnats que ce soit la Liga en Espagne ou bien Bundesliga en Allemagne ou bien sous aller dans Calcio en Italie ou bien dans pays la France tout eh ben joueur ça qu'on a pour quelqu'un pour faire la différence et gros question de ballon d'or qui en jeu. Par exemple on prend un coup Kylian Mbappé eh ben rêve monsieur c'est définitivement eh ben remporter ballon d'or monsieur t'a même remporté Ligue Champion ou après qu'il quitte Paris Saint-Germain qu'on a lié à jouer dans Real Madrid mais en attendant que le retrouve Real Madrid eh ben lui même qu'on a l'a joué pour équipe de France là il pourra jouer Coupe d'Europe des Nations et championnat ça pourra le faire là presque dans le même moment par exemple demain c'est coup d'envoi qui était demain c'est 14 juin et puis Copa América lui-même il pourrait commencer jeudi qu'à Villa qui c'est 20 juin nous pourrons gagner premièrement des grands noms Mbappé par exemple Mbappé qui c'est capitaine équipe de France là et jouer dans Coupe d'Europe des Nations hein, et puis a gagné tout et des hommes dans coup Vinicius qui a joué pour Real Madrid qui même qui va jouer dans Brésil quand on a regardé par exemple là gain et Messi cap entraîné l'a préparé Copa América et donc c'est entraînement qu'a fait son courtoisie et EFA et c'est epi qui voye le banon et n'a pas gardé entraînement donc n'a pas gardé qu'on y a là Mbappé yon moun qui fait photo Mbappé avec tif donc c'est yon pratique qui de plus en plus et a fait donc ça c'est Mbappé ou a gardé là qui c'est yon grande figure dans Copa América mais c'est dans Coupe d'Europe des Nations qui pourra jouer pour la France donc nous est belle statue ça qui fait en l'honneur de Mbappé
et prodige français à 25 ans. Monsieur déjà gon carrière extraordinaire. Il quitte Paris Saint-Germain là. Là, il est dans Real Madrid, bien que Cobla, que l'a touché dans Real. Puis, il dit que Cobla l'a touché dans Paris Saint-Germain. Et puis, tout gagne. Lionel Messi, qui toujours dans actualité à tout, faut nous pas oublier Lionel Messi. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. Donc, n'a pas cassé rendez-vous pour demain, pour dernier sauti, nous, pour rendez-vous info. Et nous remercions toute équipe là qui t'a aidé, nous mettre sur ça et dans l'air. Et puis, nous remercions Rob McLean, nous remercions Lionel qui était là avec nous. Merci Lionel. Et puis, nous dit Chang Wang. Même les que côté au pralé, yo connaît que papara dit oui. Même les que connaît côté au pralé, bagay yo dit tout yon bon oui. Mais yo dit que ba yo aller côté ça pour yo capable assurer avenir petit yo. Mais PM koni dit que li pral travail avec gouvernement là. Li pral travail avec conseil présidentiel yo. Et tout l'État pour yo river rétablir sécurité, rétablir autorité de l'État en de pays et pour permettre que avec un pile jeune, un pile haïtien espoir au sécurité paysan, il pas dit non, mais yo pral travail pour diminuer ça. Est-ce que PM Koni avec équipe client? Est-ce que vous êtes conscient de problème qui est là? Est-ce que vous voyez dans quelle dimension? Insécurité, violence, grand goût, calamité que peuple haïtien en tiré là. Jodi, dans journée 11 juin, PM Koni prend de gros engagements pour que lui permette que l'État fonctionne et que l'État va servir le peuple haïtien. PM Koni clairement dit, c'est zéro tolérance contre bandit, zéro tolérance contre question corruption en notre pays. Et on a dit clairement, selon dirigeant politique Bato Junior, que nous parlons avec plusieurs fois, ici, dans la message nouvelle, monsieur confirmé, c'est plus passé une dizaine de monde que bandi vivant sans barbecue a dirigé dans Badelma qui blessé et parmi si la blessé yo que presque 6 à 7 monde qui mouri selon Bato Junior et expliquer raison qui fait moun yo mouri hein? C'est parce que moun yo té censé des yon ti chat blindé la police qui té en dans zone ça bandi yo. Au lieu que yo te tiré sous ça, mais au lieu que yo te bouquet te coubal avec la police, yo te préféré tirer directement sous population. Est-ce que peuple, est-ce que autorité yo a prêté garder bandi yo dans genre de action ça yo? Mes amis, c'est jou cap compté. C'est là cap compté pour que officier kenyan yo débarquer dans pays pour venir aider la police. Aider l'armée pour battre contre question gang parce que opération campagne débarrasser gang yo campagne opération devant les gang yo campagne opération déchouquer gang yo li déjà commencé dans Solino Delma 24 et pral commencer prend tout reste pays des commandes mon frère. La situation, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer dans Kafoua, bien que pas quelqu'un content, mais nous toutefois mettez-nous disponibles pour venir informer amis internautes qui tout partout cap garder étendez ensemble tranche information que nous présentons surtout dans Kafoua vérité. Moment il est arrivé pour être nommé gouvernement, la situation pour être choisi pour monter gouvernement pour poser sa arrivé dans Boutli, eh bien installation arrivé faite qui permet que ensemble ministère, c'est toujours 18 ministères mais qui a 14 mounes qui pratiquement siégé par rapport avec portefeuille qui double nommé plusieurs ministres. Peuple haïtien qui pas qu'attendre encore. Il y a un grand goût, il y a une insécurité, il y a une insalubrité. Moun yo pratiquement tourné nomade la kayo. Yo dit yo pas qu'attendre que ministre sa yo arrange yo après vinn prendre investiture. Yo pas même besoin prendre temps dans tes kever, yo pas droit même prendre temps dans couper gâteau, yo pas même droit prendre temps dans déboucher champagne.
c'était bot yo pour te mettre en pied yo pour prendre la rue qui pour venir faire face avec problème que peuple a connaît qui c'est l'insécurité généralisée qui empêche évacuer avec activité yo. Parce que peuple haïtien pas vivre ça cap vivre dans pays a dans quoi dans nom yo pas vivre et ça cap vivre dehors qui gain un stress qui enragé y a travail yo pas qu'à faire progression yo pas qu'à faire progrès yo pas qu'à yo pas qu'à entendre pour rêve que vous avez gagné pour le réaliser parce que la caille des problèmes tout ça vous gagne vous obligé d'investir dans le monde qui la caille soit dans l'hôpital dans l'école dans le kidnapping c'est diaspora je dis à monsieur dame qui dans le gouvernement comme Gary Conille déclaré c'est zéro tolérance envers corruption l'on connaît ces corruptions qui base insécurité à si Gary Conille tout bon vrai voulez résoudre problème corruption blesse personne li bay l'espoir qui montre au moins que peuple haïtien sans doute par les outils dans ça que pays a trouvé là président ou coordonnateur actuel conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils bay responsabilité avec Gary Conille pour entendre qui ca permettre au moins que pays a tourné sur rail démocratique et résoudre problème insécurité à pendant mandat Gary Conille pour travailler en étroite collaboration avec conseil présidentiel transition qui ca permettre que ensemble de ça que vous gagnez dans feuille de route, ensemble de ça que vous gagnez dans programme, vous arrivez à réaliser ensemble dans l'intérêt peuple haïtien. Gen Gary Jean-Baptiste, SPNH 17, Blaise Peterson, li pa mette de l'eau dans la bouche pour passer prendre France LB, autorité qui n'a pas recommandé la police. Qui a dit que vous pouvez mener enquête? Gary Jean-Baptiste dit, barbecue dit c'est lui-même qui touye policier avec équipe, li mande avec la police pour aller cadavre. Il dit en pile fois les policiers c'est toujours comme ça c'est toujours enquête par exemple abouti avec rien et selon Gary Jean-Baptiste c'est dernière fois que ça a privé la session depuis après publication dans les moniteurs non ensemble ministre qui fait partie gouvernement Colina Golobey dans directoire parti petite Dessalines causé après la rue c'est attends tu es pas comblé en pile l'on est qui te connaît ça a été fait la même. Bon, attendez, c'est le ministère d'Intérieur, t'as filé. Qui est le mairie? Qui est le mairie parce que la délégation départementale, parce que c'est ça au besoin. Bata la bral pété, bata la bral éclaté, pirette, blesse personne, ça veut dire, ouais, pays ça, la marche de instabilité à instabilité. M'kwe, zami internet, cap gade, cap tende yo. Tende revendication, mesdames yo. Surtout, organisation femme, madame Sarah yo. Yo dit, ministre que yo mette, dans ministère condition femme, ak doua femme nan, li pas reflété avec revendication parce que c'est pas moun yo te jan mwen qui te kont accompagner yo dans quatre mouvements yo c'est même genre messieurs dames yo et sous point ça des Ibanez mon motivation gagner militant droit femme qui c'est Novia Augustin li même loge li même sous et conseiller le Gérald Gilles pour faire connaître que Marie-François Suzanne qui c'est ministre et pour écolier bon et pour répéter et pour me citer Novia Augustin et comme militant droit femme dans pays d'Haïti. Non, n'a pas besoin. N'a pas besoin. Bah, tu sais, mais quoi, de Gabriel, là, bah, cocu, bin, si, bin, là, et comment toi, t'es encore tout, la cible, non, il a dit, bah, là, encore. Ou calme-toi. Ou après, y'a consentant, la consentant. Exactement. Y'a consentant, t'y boubou de consentant. Ça veut dire, n'a pas arrangé, là, pendant ces conseils présidentiels, là, ou passé nos ministères, pour y'a qu'à font peser. Au moins, faut qu'y'a joué nos côtés, pour y'a font peser. Pour y'a pas la justice avec eux, pour harcèlement. C'est bon, pas yo. Depuis notre dix d'antan, depuis la ticom comme d'abou ma bérégène, eh bien, y a pas tenu entre eux. Je dis, c'est pas ça, pays a besoin. Pays a besoin de monde qui honnête, de monde qui a vu une bataille pour venir résoudre le problème qui est là, mais c'est pas groupe monde qui a vu régler bagaille de ménage, bagaille de amis, parce que pays a souffert trop. Gagne divers direction départementale, en dedans pays en blessé personne, malgré direction générale, t'es dit que y'a été campé sur toute activité officielle que t'as de faire, mais direction départementale, policio, yo di, yo pa la kakite, jou a passé sa fè, gen divers sa yo ki chante, mes action de grâce, pour réfléchir sous mauvais moment que PNH la connaît depuis yon bon bout de temps. Qui yon pral aborder pour résoudre problème si la, et me blesse personne, nous pral analyser, nous pral questionner, pendant, zami internet yo pral tende, ensemble de discours, ensemble moun ki parle, nan jounen installation, ensemble position qui prend, qui sa position est, qui sa raconte, est-ce que nous avons un espoir? Est-ce que à travers discours, l'idine, c'est autorité qui marie avec chef, qui parle, qui vous permet que bandit, nous ne pouvons pas les armes en deux pays pour assumer responsabilité. Et faut que nous surtout, il y a divers militants qui te foulent le béton devant Villa d'Accueil, qui m'ont arrêté André Michel. Parce que. André Michel est en dedans? Bon, sans doute André Michel est en dedans. Si militant qui a manifesté pour la demande de Marie André Michel, il est en dedans.
André Michel la passé. Militant dit, vite l'homme innocent, te déclaré, c'est André Michel qui mettait le côté l'IA. Eh bien, peut-être ça, militant m'a dit, il faut que marie André Michel qui a permis que le pays aussi dans la situation que l'IA, parce que c'est une exception classe pays à la situation. Désir, avant qu'elle vienne avec les déclarations, bien, allocution, discours, et président Edgar Leblanc-Fils et PM Gary Koni, ma, à travers l'émission, ça, m'a servi de voix pam. Et parce que Désir Venesse a d'accord avec moi. Ça m'a dit là. Diaspora haïtienne, qui surtout États-Unis, t'as pris souple. Bay pep haïtien chance dans bagay sa. Au contraire, si nous connaissons étrangers qui ont même rentré dans genre de pratique sa yo, dénoncer yo. Mandé pour arrêter yo. Vous savez bien? Diaspora haïtien. En pile nan nous, m'bap généraliser. OK? En pile nan nous qui vivent États-Unis. Qui entre dans le commerce Sam en Haïti? T'as pris souple, ça qui a passé la canne en Haïtien, nous pas innocents là-dedans. Et je dénonce nous en pile froid. Il implique dans la question ça. Et si toutefois, que nous t'as étranger qui dans le commerce Sam, sorti des États-Unis pour aller à Haïti, t'as pris souple, au contraire, dénoncé. Et ça m'a dit, pour ça m'a dit, c'est parce que nous apprenons la police n'a pas ici. À son douanier. Yo rive saisi. M'a dicté, combien m'a dicté 9? C'est ma changé. Eh bien, yon rive saisi non kontene ki sorti États-Unis pour entrer Haïti. Ki entre Haïti. Non kontene sa, yon jouen 10 chargeurs ZAM 9 mm. 157 cartouches. Parmi yo, gen 100 calibre 9 mm. 50 calibre 38 et 7 calibre 12. Mes amis, diaspora en pile dans nous, toujours dit que nous besoin rentrer la caille. Nous besoin allouer la caille parce qu'on quitte la caille trop longtemps. Nous avons maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine qui en Haïti. Nous avons bien nous en Haïti. Pas vrai? Mais si je dis, nous besoin faire tout ça, yo. En pile nan nou, an sis pan manifeste mauvais volonté pour ne pas voir examen en Haïti, mes amis. Chaque katou sa yo, c'est la vie ou moun ke liye. Chaque katou sa yo, c'est ou moun yap tou Haïti. Si ke yo te ge chos passe pour aller à jeune moun sa yo. Et bien, n'ap di ke insécurité ki gen Haïti a ke comme s'il fait nous mal. Mais s'il fait nous mal, c'est vrai qu'on fait nous mal. Ça qui va impliquer dans le SAO. Mais en nous, tout ça qui va impliquer, en nous dénoncer, en nous demander pour que les contrôles qui mettent et pour arriver, pour que arrêter et décider de la question ça. Question, un groupe haïtien mélangé avec un ensemble étranger, États-Unis surtout, pour avoir des âmes à vendre en Haïti. Mais ce n'est pas normal. On bataille contre ça. Désir, si on comprend de ça, frère, avant que nous venions avec mon déclaration. La situation modèle bataille contre l'insécurité, nous disons ça tout le temps ici. Diaspora, l'immérité pour jouer le rôle par la donne. Et au capable. Non, aider, identifier. Parce que mon cap est parti. Il n'y a pas aidé que Joseph Lamont. Non. Bay kout men nan permettre que yo découvri tout zefeis, tout maçon de pays, tout criminel qui cache en dedans communauté internationale là, qui fait trafic zam en dedans pays. Tout
tout le monde qui dans la communauté a pas connaît. Mais il y a des gens qui partagent même espace qui connaît Zaxi là parce que il fait nous plus mal qu'il fait nous bien. Quand c'est la vie qui a prouvé en deux pays, ce n'est pas le pays d'Haïti qui fabrique les cartouches. Ce n'est pas le pays d'Haïti qui fabrique les armes. Les armes sont quelque part. Il y a des gens, même que c'est à des étrangers, il y a pratiquement des pratiques là avec des Haïtiens qui comptent rien bien, qui comptent groupe mieux bien pour faire distribution pour permettre que nous gagnions dans les yeux. Les policiers qui sont morts, c'est cartouches qui tuent. C'est les armes illégales qui tuent. Les armes illégales, c'est poison. Ou même qui fait pratique ça. Gardez tête dans le miroir. Mettez-vous en position. Moun sont cap mourir. Mettez ton petit ou, mettez ton neveu, mettez ton nièce, mettez madame ou, mettez maman ou, mettez papa ou. Ou après vous comprenez qui doule, si la ou qui a victime, ou a assistant avec trafic, zamande dans le pays d'Haïti. Laissez-vous descendre. Désir, on va venir avec monsieur Sayo, à la fois président conseil et puis et PM Gaïkouni, ensemble qui nous attendons, et on croit que ni moi ni Désir, n'a pas de réaction de ça au diant et comment que nous-mêmes nous comprenons ça dit au Désir Venesse. Mais entre-temps, n'a pas dit avec chaque grain de monde, prends ça nous pour que nous capable tendre PM Koni. Pour que nous capable tendre et garder le fils comme président conseil présidentiel. Et je crois que c'est important pour nous garder les gens. Et nous-mêmes, nous avons tout le droit pour nous faire des réactions sur ça. Et puis tout, pour nous dire qui ça attend nous y est. Entendez les gens. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée.